Hey! Salut à tous, ici Nenu, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de Mini Instant Mobile, donc l'émission spéciale jeu mobile, mais sur YouTube, hein, je le rappelle que c'est une adaptation du format Twitch qui a lieu une semaine sur deux, un dimanche sur deux, en général entre 13 et 17 heures. Alors c'est soit un 13-15, soit un 15-17. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va tester un jeu que nous a suggéré Vixo, donc mon comparse de streaming, donc qui s'intitule Hanover Eden. Voilà. Donc, on va tester un petit peu ce jeu. Voir un petit peu de quel bois ce jeu est fait. Alors, donc, apparemment, ça semble un RPG. Donc, bon, je suppose que le moment est venu de se lancer dans une aventure à travers le temps et l'espace. Ouh! Afin de sauver notre futur perdu avant que les ténèbres du temps ne s'abattent sur nous tous. Ok. Alors, donc. Misérables humains, ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Nous, les bêtes, sommes interdites d'entrer, hein? Comment osent-ils? Cette forêt nous appartenait autrefois. J'essaye de faire les intonations, mais je suis un peu nul à jeu. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oyaya. On a droit à des cinématiques de qualité, hein? Oh! Un bruit de bébé qui pleure, ça je reconnais. Je le reconnais. Oh, c'est un berceau! Un bébé humain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis sûr, genre, c'est nous, en fait. Genre, on est un humain élevé par les bestioles et on va devoir unifier les deux mondes, c'est une connerie comme ça. Même les humains sont mignons quand ils sont encore bébés et innocents. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste, petite? Tu as perdu ta mère? Oh, c'est une petite fille. Hé, petite, coucou. Bon, ça n'a pas marché. En même temps, t'es un monstre, donc bon. Je sens un pouvoir étrange encore endormi qui émane d'elle. Se pourrait-il que... Oh, elle brille! Le bébé, il brille! Oh mon Dieu! Le bébé qui brille! Le tout premier alter! Quelqu'un arrive, je n'ai pas la moindre envie d'avoir affaire à des gens. Il va disparaître, c'est... Je dois te laisser maintenant, petite. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Oh là là! Et il est parti. Et bébé, il brille. Oh, c'est un vieux. Il a mal au dos et tout. Fais trop bien le bébé qui pleure. On découvre un peu. Oh, mais il y a un petit garçon aussi. Et oh. Oh, je savais bien que j'avais entendu des cris. Eh bien, serait-ce un bébé en plein cœur d'une forêt? Ça arrive. Que se passe-t-il, mon petit? Où est ta maison? Est-ce ta petite sœur? Oui, il y a un petit garçon. Oula, n'aie pas peur, mon enfant. Chut, arrête de pleurer. Fais-moi un beau sourire. Bébé, peut-être il chiale parce qu'il a faim, bande de teubés. Merde, quand même. 16 ans plus tard, donc la jeune fille doit avoir dans les 16-17 ans. Cool. Petite vanne. Debout, grand frère. Aldo, réveille-toi, Aldo. Et quoi? Allez, Aldo, c'est le matin. Lève-toi. Waouh. Waouh. C'est la gamine d'il y a 16 ans. Oh, elle a ouvert les rideaux et... Qu'ils étaient déjà ouverts. Oui, tu as raison. Bonjour, Faye. Non, mais j'y crois pas. T'as une idée de l'heure qu'il est? Il doit être midi, wesh. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel de Pécari. Tu vas rater ton rendez-vous avec Darunis. On les connaît pas. Ah non, j'avais complètement oublié. Je ferais mieux d'y aller. Allez, Aldo, grouille. Dépêche-toi. Grouille, Aldo. On est déjà à 5 minutes d'enregistrement. Il n'y a toujours aucun gameplay. C'est génial. Interdiction de terrain dormir. D'accord. Bon, est-ce qu'on aura du gameplay, s'il vous plaît? Au moins. C'est bon, prêt pour une nouvelle journée en tant que protecteur de la paix. Wow. Ah.
Ok. Votre propre lit. Non, j'ai pas envie de me reposer, frère. Oh, les J. On a des J. C'est comme dans Final Fantasy avec les Gilles, sauf que bah, c'est pas Final Fantasy, du coup, bah, ils ont pas le. Voilà. La vanne est terminée. Ah, plus vanne. Donc, on descend les escaliers. Bonjour, Pépé. C'est le 300e. Nous célébrons le 300e anniversaire de la fondation du royaume de Miglans cette année. Cela mérite clairement une fête. Bien sûr, cela fait également 16 ans que toi et Fane avez rejoint notre famille. Alors, comme le temps passe. Ouah, ça fait si longtemps que tu m'as trouvé avec Fane dans la forêt, grand-père. Nous ne pourrons jamais assez te remercier de nous avoir accueillis et élevés comme si nous faisions partie de ta famille. Ne dis pas de bêtises, nous sommes une famille purement et simplement. Cette maison, ce village, vous êtes chez vous ici, n'est-ce pas? Personne ne vous considère comme des étrangers. Waouh, on aura un excellent repas. Chic, 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 un repas. C'est vrai, j'ai hâte d'y être. Aldo, tu fais officiellement partie de la garde du village maintenant, pas vrai? Je ne veux pas que tu sois impliqué dans des situations dangereuses. Je sais que grand-père est toujours là, mais j'ai l'impression que tu es ma seule famille dans ce monde. Oh! Ouais, c'est triste, il lui arriverait quoi que ce soit. Oh! Mais! Il ne se passe jamais rien de dangereux dans les environs, tu n'as rien à craindre, non, à part des bêtes qui en ont marre d'être dans la forêt et qui veulent être dans le village. Mais c'est pas grave. Genre, à mon avis, il va avoir une guéguerre, et le grand-père il va mourir, et puis voilà. Ouais, j'ai obtenu des sandwichs cool. Ça, c'est quoi? Ok, ça brûle. Mais. Chiant, gameplay à la con. Je sors! À plus tard, Aldo, prends soin de toi. Oh, il y a une statue. Wow. Ça a l'air d'être beau, donc. C'est le village. En espèce de plusieurs couches 2D pour faire un peu de 3D avec un petit peu de terre ronde. C'est trop bien. Salut Darunis, désolé du retard, j'ai raté mon réveil. Je m'en doutais. Dans un matin du matin, je m'y attendrai pas. Non, non, la voix est pourrie. Oh mon dieu. Bon. Je pense qu'on va. Genre juste finir l'intro sur ça en vrai. Et on se retrouvera donc pour le vrai instant de mille, tranquillement, pour justement attaquer et terminer ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc là c'est le tuto pour se déplacer. Trésor et tout. Destination. Parfait. Donc du coup. On se laisse là. On se retrouve donc dimanche prochain pour l'instant mobile sur Netra TV. Le lien sera en description, vous inquiétez pas, sur notre chaîne Twitch. Et ce sera donc sur Hanover Eden. Allez, prenez soin de vous en attendant. Matane!